بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وبعد. Chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui on va essayer de répondre à deux questions. Premièrement, quel est le statut de quelqu'un qui s'est réveillé tard et qui n'a pas pu prendre le suhoor? Deuxièmement, quel est le statut de quelqu'un qui mange par oubli alors qu'il est en jeûne? Pour ce qui est de la première question, il faut savoir que le suhoor fait partie des particularités du jeûne musulman. Dans un hadith rapporté par Imam Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: prenez le suhoor parce qu'il constitue en fait une bénédiction. Maintenant, pour quelqu'un qui s'est réveillé tard et qui n'a pas pu prendre le suhoor, pas de panique, pas de panique. Il va tout simplement continuer son jeûne. Bien entendu, s'il avait pris l'intention de jeûner. Donc voici pourquoi le fait de formuler l'intention devient une chose qui est très 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 importante, voire même obligatoire. D'accord? Deuxièmement, quel est le statut de quelqu'un qui mange par oubli? L'oubli fait partie de la nature de l'être humain. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un texte authentique que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas considérer trois erreurs ou bien trois péchés pour sa communauté. Parmi ces péchés-là, celui qui a été commis en fait par erreur ou bien par oubli. Maintenant, pour le statut même de la personne, là aussi, la bonne nouvelle est que ça n'entache pas son jeûne, il poursuivra tout simplement son jeûne. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui mange par oubli, alors qu'il est en jeûne, qu'il poursuive son jeûne parce que c'est Allah qui lui a donné à manger et à boire. Bon, après cela, il y a des gens, des savants qui ont dit que c'est mieux de reprendre le jeûne un autre jour, mais même s'il n'a pas pu reprendre le jour de jeûne, ce jeûne-là sera valable, incha'Allah. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man wa alahum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.